J'ai rendez-vous avec celle qui me fait de l'œil depuis un petit bout de temps. Vous la connaissez aussi puisque je vous l'ai présentée. Et puis, elle mérite quand même qu'on fasse attention à soi. C'est une Bentley Continental GT. Alors oui, hein, vous allez me dire, oh là là, encore une Bentley Continental GT. Oui, mais je peux pas résister quand on me propose d'en essayer une. Et surtout de vous faire découvrir une autre configuration, une autre couleur, une autre présentation. Eh bien, forcément, ben moi, j'ai envie de vous la montrer. Alors, on y va. Ici, dans cette Continental, ce sont aussi donc ces lignes assez épurées, puisque si on reprend le design finalement, on peut dessiner une Continental avec trois coups de crayon. Regardez, un premier coup de crayon ici qui va rappeler les toutes premières Continentales, un deuxième coup de crayon ici et un troisième sur la partie face back. C'est toujours pour moi un plaisir de démarrer cette Continental. On va le faire. Pourquoi ? Parce que j'adore la cinématique de l'écran déjà. Je m'en lasse pas, hein, ça fait un bon nombre de fois que je le vois, mais à chaque fois, je trouve ça tellement génial. Allez, question du jour. Sur l'écran précédent, c'était qui le chanteur? Allez, je vous fais voir également le travail du bois. Alors, je suis désolé pour les reflets, hein, mais c'est très compliqué de filmer un intérieur avec le soleil. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans le travail du bois, on va prendre un exemple ici, parce que je pense qu'on le verra bien, c'est que la veine du bois est respectée. Ici, on a une coupure parce que c'est articulé, mais si vous regardez la veine du bois, elle continue. C'est pareil ici, la veine du bois continue. Alors c'est un peu sombre, désolé, on va essayer de regarder ailleurs. Mais en fait, il y a un vrai travail d'ébénisterie dans les finitions de cette Continental. C'est magnifique. Cette couleur bleue, le Moroccan Blue, avec, on verra tout à l'heure à l'intérieur, des spécifications centenaires et des spécifications mulineurs. Alors, celle-ci a des finitions chrome. Sur la dernière vidéo, certains m'avaient dit le Black Pack, c'est pas terrible. Une Bentley, c'est plus jolie avec des chromes. Et ben voilà, la voici. Dans le pack centenaire, on va retrouver ici sur l'emblème, le rappel 1919-2019 et un cerclage couleur cuivre. Cerclage couleur cuivre, je vous le rappelle, en hommage aux premières Bentley qui avaient des radiateurs en cuivre. On va avancer, on va regarder ici, c'est pareil, les centres de roues avec le rappel cuivre. Nous voilà sur l'autoroute. Alors ça va être le moment de paramétrer les différentes aides à la conduite. Donc on va mettre le régulateur. Voilà. On va le monter un petit peu. On va se mettre à 130. Alors, c'est un régulateur adaptatif puisque il va tenir compte de la distance du véhicule devant et ralentir ou accélérer automatiquement. On va mettre également le contrôle de ligne. Ici, de manière à rester dans l'axe. Ça veut dire que là, le volant va rectifier de lui-même. Et si je m'éloigne de la ligne, en fait, on va faire exprès ici, il va rectifier. Alors maintenant qu'on a paramétré tout ça, regardez, il y a un véhicule qui va s'insérer, et bien ma vitesse va ralentir. Alors maintenant que tout ça est paramétré, on va se mettre bien. C'est-à-dire que déjà, on va mettre ici en position confort. Là, tout est assoupli. Il ne reste plus qu'à se mettre un petit massage. Voilà. Allez, on va mettre étirement. Et on est plutôt pas mal pour faire des kilomètres. Même dans un bouchon parisien, cette Continental prend soin de vous, puisque là, je ne touche à rien du tout. Et elle freine et accélère toute seule. Dans le bouchon, en fait, c'est plus trop un problème, les bouchons.
Je ne vais pas vous refaire tout le détail de l'intérieur, ça, ça a déjà été fait. Mais je veux quand même vous présenter quelques spécifications dont on n'a pas encore parlé finalement. Donc j'ouvre ici la voiture. Ça va commencer par les marchepieds qui sont là, avec cette plaque qui indique justement les spécifications Mulliner faites à la main. Le seuil de porte 1919-2019 qui est rétroéclairé avec les couleurs paramétrables. Ça c'est pareil, c'est du pack centenaire. En termes d'options dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, pardon, il en reste encore quelques-unes, et c'est ça qui est fou avec une Continental GT, c'est qu'il y a toujours des choses à dire. Vous voyez par exemple, ici, ces petits croisillons là, qu'on trouve un peu partout. Eh bien en fait, il faut savoir qu'ils sont faits à la main, et que seuls 5 personnes à l'usine sont capables de les faire. Et ils sont capables, rien qu'en regardant les croisillons, de dire quelle est la personne qui les a faits. Bien évidemment, vous le savez, cette Continental est équipée d'un moteur W12, biturbo, 6 litres de cylindrée et 635 chevaux de puissance. Mais ça, encore une fois, on vous l'a déjà dit. Moi, alors, je voulais vous parler de quelques petits détails qu'on avait oubliés. Regardez ici, on a un B de Bentley qui a été stylisé. Et bien en fait, on va le retrouver également sur les poignées de porte. Regardez les poignées de porte, on retrouve le B stylisé. C'est ça qui est fou avec cette voiture, c'est que on découvre des détails tout le temps. En fait, elle a été fabriquée, elle a été pensée et conçue pour toujours offrir quelque chose de nouveau à regarder. Vous voyez, par exemple ici, on a une broderie avec le logo Bentley. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que cette broderie a été faite dans les ateliers Mulliner. Comment je le sais? Parce que entre chaque morceau de l'aile, vous voyez ici, il n'y a pas de couture. Et toutes les branches de l'aile sont indépendantes. Et bien ça, c'est une spécification Mulliner. Beaucoup de classiques dans cette Bentley, mais également de la technologie, de la modernité. Avec, regardez ici, ces compteurs entièrement digitaux. J'en profite pour vous montrer ici l'option vision de nuit. Et également, vous voyez le GPS qui peut prendre les trois quarts de l'écran derrière le volant. Bien évidemment, tout ça est paramétrable. Et puis, si vous remarquez de nuit, vous avez ces éclairages. Alors, vous avez un éclairage qui fait tout le tour de la voiture à l'intérieur. Et puis, vous avez les éclairages également, là, ici, des portes, au niveau des poignets, au niveau des pieds. Et bien, tout ça, c'est paramétrable. On va y aller. Configuration. Et regardez, on peut paramétrer les effets de couleur. Alors, aujourd'hui, moi, je suis plutôt bleu, vous le voyez ici, pour les LED, ou, pourquoi pas, jaune, ou rouge. Et puis là, on le voit ici, les éclairages intérieurs, et bien on va pouvoir changer les couleurs. Allez, jaune, bof, avec la couleur du cuir c'est pas terrible, on va se mettre un petit violet. Voilà, là on est pas mal. Parce qu'on peut être une voiture de luxe mais aussi être pratique. Regardez, j'ai une montée de garage qui va être un peu compliquée pour pas toucher les bas de caisse. Et bien heureusement, je vais appuyer sur ce bouton, ce qui va lever la voiture et ce qui va m'éviter de l'abîmer pendant ma sortie de garage. Et à la sortie de ce fameux garage, on n'oublie pas de rabaisser la voiture. Bien, l'aviez-vous remarqué, les lignes extérieures de la Continental. Donc, celle-ci,
celle-ci et celle-ci. Eh bien, on les retrouve à l'intérieur. Et oui, l'aviez-vous remarqué au niveau de la ligne de portière et derrière ici, au niveau de la ligne d'aile et bien sûr au niveau de la ligne de toit. Eh bien, la Bentley Continental GT est aussi bien designée et dessinée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le détail qui tue. Cette voiture, il faut la regarder longtemps et comprendre un petit peu la, je dirais, la complexité de ses formes. Un exemple, regardez cette aile avant. Ici, on a un premier angle, puis donc une surface plane. Ensuite, vous voyez cette petite bosse là, eh bien c'est une surface convexe. Mais ensuite, on arrive sur une surface concave. Et ensuite, sur un angle saillant, qui définit la ligne générale de la caisse, et puis surtout, qui va permettre de bien répartir la lumière. Ensuite, on repart à nouveau sur du convexe, et encore un angle droit. Et bien tout ça, il faut savoir que techniquement, c'est assez compliqué à réaliser. Et là où c'est très beau, c'est qu'en plus, la tôle est de la même épaisseur absolument partout, y compris dans les angles. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai, vrai travail de carrosserie. On va parler un peu de techno, parce que regardez, ici, il fait quasiment nuit, puis je vais rentrer dans une forêt mal éclairée, où il y a des bestioles. Et bien, pas de problème, puisque je vais mettre ici la vision nocturne, et je vais avancer dans cette forêt mal fréquentée, et la voiture me dira s'il y a des bestioles, voire des piétons, sur la route. Regardez. C'est la fin de ce petit road trip de 24 heures. On a été jusqu'en Bourgogne. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle configuration de cette Continental. J'espère que vous avez aimé également les autres configurations qu'on a pu voir. En tout cas, moi je me suis régalé. J'ai été également ravi de rencontrer des propriétaires de cette Continental. Et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment sympas, ouverts, jeunes. Je tiens à les remercier et je vous passe le bonjour. Et voilà, ça change l'image un petit peu qu'on pouvait avoir de cette voiture. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt.